thank you Je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K. Bienvenue à Entrevue Landes Urbain. Aujourd'hui, on reçoit Monkey, qui est slam, rappeur, artiste, peintre, conférencier, activiste, amoureux de la vie. Salut Monkey, comment ça va? Bonjour, très bien. Merci à toi. Mais ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir invité. Bienvenue dans mon atelier boutique euh, Espace Urbain Montréal. Est-ce qu'il manque quelque chose à la présentation que je viens de faire? Non, je pense que la partie la plus importante, c'est la partie humaine. Quand tu termines avec des trucs humains, évidemment, j'utilise l'art comme moyen de communication, mais avant toutes ces communications-là, je me considère comme un humain à la recherche de qui je suis, de qui m'entoure et de comment être une meilleure personne pour en euh, affecter l'humanité du même coup, en fait ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on se côtoie à travers la scène hip Montréalaise, québécoise. Mais le but du jeu, là, c'est que je puisse te présenter à mon public. Est-ce que tu viens de Montréal Je viens des Étoiles. Bon, on pourrait discuter euh, plus précisément de quelle étoile, quelle <laughs> constellation sur un autre entrevue. On ne s'étalera pas sur ça. Mais je suis né à Drummondville euh, et puis déménagé à 15 ans euh, pour Montréal. Bon, Montréal, je suis à Longueuil à 15 ans, mais vu qu'il y avait un métro, je croyais que c'était Montréal. Donc, euh, ça revient même. Et depuis, euh, je suis à Montréal la moitié de l'année et euh, vers le monde l'autre moitié de l'année. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On dirait que ne dors pas, Monkey. Non, je dors. Ça t'arrive? Ça m'arrive. Tu es artiste peintre, tu voyages beaucoup, tu sors les projets un après l'autre. Mm -hmm. Tu as combien d'albums à ton actif jusqu'à nope. présent? Ben, présentement, j'ai sept projets solo. C'est moi le seul rappeur sur le projet. Un EP et six albums complets. Euh, mais je suis aussi producteur. Une des choses qu'on n'a pas mentionné, c'est que j'aime beaucoup produire et prendre en main l'ensemble de, de ce que je fais comme art. Donc, j'ai produit d'autres de mes éco-produit d'autres de mes projets qui n'étaient pas des projets solo donc euh, j'ai enregistré un album complet en france j'ai enregistré un album à cuba euh, j'ai enregistré un album au pérou euh, donc, je continue à enregistrer des projets où euh, je suis avec un collectif dans le projet, mais que je m'assure de gérer euh, euh, la production exécutive et le bon rendement de ces projets-là. C'est magnifique ça, fait que t'as dit Cuba, Pérou, Cuba, Pérou et la France. Et, la France. et là, j'ai commencé à enregistrer aussi en Afrique avec mes, mes allers-retours vers l'Afrique. J'arrive à enregistrer des collaborations et de, et de, de construire un projet aussi avec l'Afrique, mais partout où je vais, j'en profite pour créer et utiliser le plein potentiel de ce qui m'attend là-bas, des gens que je rencontre. Euh, je voyage avec mon studio dans mon sac à dos et j'enregistre partout où je vais. Donc euh, euh, moi, pour moi, euh, de choisir de faire de l'art, c'était pas un choix vraiment, c'était une, une obligation. C'est thérapeutique pour moi et c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Et comme je suis euh, euh, dans la compréhension qui, c'est très difficile et très contingenté, le milieu des arts. Euh, depuis 15 ans, je travaille 70 heures semaine à manifester mes visions, autant dans l'art euh, visuel que dans, dans la musique. Serais-tu d'accord avec moi pour dire que c'est pas une vocation, mais plus une identité? Oui, pour moi, c'est... Euh, moi, je le dis souvent en entrevue, les gens me demandent, euh, parfois, bon, je voyage, évidemment, les gens me demandent c'est quoi ma langue première. Ben moi, je leur dis l'art. Je veux me souvenir, souvenir, de mon futur, je veux me souvenir... souvenir de avant même de connaître les mots français que mes parents m'ont appris, je tenais un crayon et je dessinais. Donc, ma, ma première langue a réellement été le dessin, l'art visuel. Euh, donc, je suis un « art speaking person » plus qu'un francophone. Je suis aussi francophone par, euh, par défaut, mais euh, je parle à travers l'art. Tu manies bien les mots, tu manies bien le pinceau. Quel serait, le, quel est le fil conducteur de tous tes projets euh, ben, je pense, moi, euh, sans tomber dans l'égocentrisme, je pense que mes introspections, ma compréhension du monde, et quand je dis moi, c'est le moi large, c'est le nous, c'est le moi et toute l'abondance de ce qui m'entoure, les gens, les idées, les conversations que je peux avoir, les voyages, tout ça va habiter euh, l'ensemble de mon œuvre. Et donc, pour moi, c'est très important d'être basé dans l'authenticité. Euh, beaucoup d'artistes se construisent des personnages qui sont différents d'eux, euh, et souvent, il y a un divorce entre le personnage et la vraie personne, parce que si tu parles de, de tuer des gens à longueur de ta carrière et que t'es rendu à 35 ans avec trois enfants et que tu ne veux plus faire ça, tu vas vivre un décalage avec tout ça. Donc moi, sachant que l'art allait faire partie de ma vie... Euh, Jusqu'à la fin, euh, jusqu la fin de, de mon passage sur cette planète, euh, je savais que je me devais d'être authentique avec mes transformations, mes changements, mes réflexions. Donc, je dirais que c'est ça qui habite l'ensemble de mon œuvre et c'est ça qui relie mon œuvre, euh, évidemment, avec l'authenticité, avec la gratitude, avec la considération de l'ensemble de, de ce qui m'entoure et de la bénédiction d'être sur Terre en ce moment spécial. Monkey, tout le monde qui te connaît ou qui apprend à te connaître, vont tous être d'accord, unanimes, pour dire que Monkey, c'est quelqu'un de, de conscient, de, de connecté, d'équilibré. Tu es vraiment une référence pour beaucoup de gens, beaucoup d'artistes aussi. Mm -hmm. Comment tu arrives à justement, toi, garder ton équilibre, à, à, à te recentrer, parce que je crois pas qu'on est dans un état constant de, mmh. de, de, de centralisation, oui, oui, comment tu arrives à te recentrer régulièrement ben, ben Moi, je dirais aussi que l'art aussi, c'est une manière de... Euh, moi, je choisis de focusser sur le positif, je choisis de focusser sur... Euh, et évidemment, euh, même si je parlais d'authenticité, euh, on présente quand même une facette de nous à travers l'art. Euh, et parfois on va présenter plus une facette qu'une autre, comme sur les réseaux sociaux. Tu vas pas prendre un selfie de toi-même en train de pleurer euh, parce que tu réalises que tu t'as fait une erreur puis que tu te sens coupable. sais pas à ce moment-là que tu prends ta photo. Ben, en même chose, moi aussi. Donc euh, quand je sors, quand je rencontre les gens, si je vais pas bien, ben j'irai sûrement pas au concert. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens me rencontrent aussi dans un moment où je suis focus et concentré et considérant d'où je suis, euh, mais j'ai des moments où je vais moins bien, je fais, des, je fais énormément d'erreurs, je suis balancé jusqu'à un certain point, dans le sens où euh, euh, j'ai tous les défauts de mes qualités aussi. Euh, euh, je veux dire, l'art a fait de moi un égocentrique. Le fait que ta carrière et ton, ton personnage artistique euh, et, et, ton, et ta thérapie et ton psychiatre et ton meilleur ami et ton gagne-pain fait en sorte que... Euh, que, que bon que tu développes un égocentrisme que tu travailles sur ce projet là à temps plein donc euh, on est aussi le résultat de, des choix qu'on fait dans nos vies donc j'ai des magnifiques qualités je suis prêt à l'accepter mais j'ai aussi certains défauts que je continue consciemment de d'harmoniser ou de garder sous contrôle euh, pour que mes, mes Qualité demeure le focus de, de la belle personne que je suis. Oui, une belle euh... personne. Ben, C'est clair que tu fais un travail conscient de réflexion sur toi-même par rapport à, à un panoramique un petit peu plus mondial. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui se passent à travers la planète. Oui. J'ai en, envie de savoir, toi, euh, qu'est-ce qu qui t'inquiète? Euh... Tellement de choses qui m'inquiètent. On vit aujourd'hui. Les conséquences de demain, on devient nourrin des cauchemars laissés au bord du chemin. On est de plus en plus déconnectés euh, de la réalité, de l'autre, de plus en plus déconnecté de l'autre, déjà de notre voisin, mais euh, de nos voisins à l'international aussi. Donc on est de plus en plus manipulables euh, aussi. Euh, parce qu'on n'a pas le témoignage de l'autre, on n'a pas la connexion à l'autre. L'être humain a na naturellement une compassion. Euh, qui, parce que cette compassion est douloureuse de voir son frère et sa sœur en souffrance, souvent on va fermer les œillères de l'ouverture d'esprit de la compassion pour gérer notre petit quotidien qui a déjà ses stress et ses problématiques. Donc, euh, ben moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est la montée de, de notre individualisme oui. dans le monde occidental. Et c'est pour ça que euh, quand je fais des voyages en Afrique, en Amérique du Sud, euh, j'y vais pas comme un sauveur, je vais vraiment comme euh, un étudiant parce que vraiment, euh, je crois que c'est ces communautés-là qui ont préservé euh, une forme tribale, une forme ancestrale, une forme familiale de vivre euh, qui détiennent et résistent dans la solution par rapport à la problématique qu'on peut vivre à travers le monde. Donc pour moi, c'est vraiment important d'aller euh, m'étudier euh, en rencontrant l'autre et en regardant de, de distance les réalités de ma communauté. Tes inquiétudes, est-ce qu'elles t'inspirent autant euh, que les belles choses positives? Oui, bien sûr. Oui, oui oui, oui, oui. Hum? Euh, oui, euh, oui. Euh, même peut-être trop, peut-être, euh, hum. dans le sens où euh, euh, un être très inspirant m'a dit un jour il euh, y, y a beaucoup de faux prophètes qui passent pour des prophètes à cause de leur clarté de vision sur les problématiques, mais un vrai prophète va être la personne qui va proposer une solution viable. Euh, et donc moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur arrêter de toujours être dans la complainte. Il euh, y a beaucoup de gens qui voient la problématique. Et peu de gens voient la solution. Donc, euh, mon idée, à moi, sans jouer les prophètes, je suis pas du tout un prophète, c'est pas l'idée que j'essaie de dire. C'était juste euh, la métaphore que je trouvais intéressante dans l'image. En tant qu'artiste, je dois parler de la problématique, mais je me dois de laisser espace euh, à la solution. Et c'est pour cette raison que mon slogan euh, en concert, au lieu de « Quand je dis monkey, vous dites monkey »,« Quand je dis gratitude, vous dites gratitude ». Dans tous les pays où je vais, peu importe mon ego, mon orgueil, mes défauts, j'essaie de nous ramener tous, et moi y compris, sur euh, un truc important qui est la gratitude, qui est la reconnaissance, qui est l'appréciation de l'autre, de la vie, le respect du sacré qui nous entoure. Donc, quand on euh... voit tes toiles, Monkey, euh, on ne peut pas s'empêcher de rester béat devant la beauté de ce que tu peins, euh, les personnages, les panoramiques, les couleurs. Puis quand tu parles, on, on dirait que c'est la même chose, mais euh, en prose. <laughs> <laughs> de quel texte es-tu le plus fier? Wow. Ben, le texte que, que je partage à l'émission aujourd'hui un texte que je suis très fier parce que c'est un texte en trois langues et plus. Le refrain, euh, même de l'arabe, de l'hébreu euh, et du patois. Euh, donc, c'est un, un texte que je suis très fier parce que, en plus euh, d'avoir une signification importante, cette signification-là jongle avec les sonorités de plusieurs langues. Donc, c'est un texte que je suis très fier, mais. Euh, comme une personne euh, n'a pas d'enfant favori, il va aimer tous ses enfants. Euh, tout ce que je publie, euh, je le publie parce que je l'aime mm. et joue un rôle dans dans qui je suis et dans ce que je présente. Donc, euh, je suis fier autant des trucs qui ont moins de succès, qui sont plus euh, pour une élite, euh, euh, une élite de ce vocabulaire-là, que des trucs plus accessibles. Je pense que c'est l'ensemble de ce spectre-là qui euh, qui me permet de connecter avec mes contemporains. Et dans ton art visuel. De, 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 de quelle œuvre tu recules tu dis waouh t'es même étonné toi-même que ça vienne de toi il y en a, a... Wow, il ah, y, 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 y en a plusieurs en fait le, le processus moi j'essaie je, de me mettre en prière quand je crée euh, je me mets en prière je veux pas que essayer je me mets en prière quand je crée euh, et donc beaucoup des œuvres dépassent euh, ma propre compréhension euh, de moi-même beaucoup de trucs vont puiser dans le subconscient beaucoup de trucs vont laisser passer euh, une inspiration du moment euh, donc c'est difficile euh, ben, déjà beaucoup de mes propres œuvres m'impressionne moi-même au niveau techniquement que je ne suis pas sûr si je pourrais les reproduire mmh. parce que waouh j'ai l'impression que quelque chose de spécial s'est passé pas à ce moment-là donc il y en a plusieurs dont je suis fier mais je dirais que mes œuvres dont je suis le plus fier c'est mes œuvres qui sont à l'extérieur de Montréal c'est mes œuvres qui vont euh, donner à une communauté qui vont habiller une communauté euh, l'art que je que je pratique c'est l'alchimiographie. donc c'est le prédis ça encore. Alchimiographie, qui est un médium que j'ai inventé, que j'ai créé pour définir qui je suis, qui est le processus alchimique par l'art graphique. Donc, transformer le sans-valeur en valable, le plomb en or, le mort en vivant, euh, autant dans l'espace que j'utilise, utiliser des murs euh, délabrés, des usines désaffectées, des dessous de ponts, euh, des endroits morbides que les gens veulent pas fréquenter, et de donner une autre vie à ces endroits-là, mais aussi sur les communautés, utiliser les jeunes délinquants de l'école, les jeunes qui arrivent pas à trouver leur place dans l'académie, et de les utiliser, de les intégrer et de les rendre des popularités de leur école, de passer de la personne qui est un peu rejetée, de lui donner les outils, de s'exprimer et d'exprimer la beauté qui est en elle, pour que sa valeur soit vue des autres. Comme on sait, je suis, euh, je suis artiste, mmh. illustratrice, mmh. et euh, j'ai eu envie comme ça de choisir des artistes qui me gâtent dans le quotidien ah, pour magnifique. à mon tour les gâter. Ah, ben. Et euh, tu m'avais tellement fait plaisir quand tu avais réalisé euh, une toile inspirée oui, d'un de mes portraits. Complètement. Et Monkey, j'ai eu envie de te rendre la pareille. Ah, C'est pas vrai? Ça, C'est un portrait que j'ai réalisé, wow! inspiré de toi. J'ai eu envie de te l'offrir. Wow! C'est pour ça que j'ai créé cette belle plateforme d'entrevue Landurbin. C'est toi. J'ai des frissons. Toi, je ne sais moi, pas si on le voit à la caméra, là, mais <laughs> j'ai les bras remplis de frissons. Waouh, merci. Ça fait tellement plaisir. Ça merci va chez moi. À toi. Ça va chez toi. C'est à moi. Tu <laughs> partages habituellement, long, mais ça, je ne le partage pas. Hein. Ça, c'est à moi. Waouh. Merci. Ta réaction me fait vraiment plaisir. Ben, moi, c'est ça qui me fait plaisir. Tu as pris du temps. T'as pris du temps à me démontrer ton amour, ton appréciation pour ce que je fais. Et moi, c'est la chose qui m'est chère de faire aux autres. Donc, euh, euh, c'est magnifique. Je peux partager une histoire en relation à ça Bien, on... on a le temps, on est Bien, là encore, on, on roule encore, on prend encore, on, un en oui, oui, on prend un petit moment, prend un petit moment. L'alchimiographie, c'est un truc que j'ai créé euh, pour justement <laughs> sortir les gens d'un cadre. Et ça, c'est un truc que, sans prétention, je l'ai fait pour moi. Et il y a jamais personne qui s'est dit alchimiographe. Il y a que moi, à travers la planète, qui est alchimiographe. Et récemment, je suis allé au Gabon. Puis euh, j'ai expliqué aux, aux jeunes, il y avait des jeunes qui redessinaient la peinture que je faisais euh, sur papier. Puis euh, je leur ai parlé de la chimiographie, le concept, tout ça. Et le lendemain, je le voyais qu'il y avait une compétition entre les trois jeunes de 10 ans. Ils, ils compétitionnaient, savoir qui allait avoir mon attention, tout ça. Et moi, je leur ai dit Hey, ici, on n'est pas là pour faire une compétition. Vous êtes une équipe. Et souvent, c'est important de se trouver un nom. Pour relier l'équipe ensemble à en mmh. un lien d'appartenance. Un collectif. Voilà un collectif. Et donc, dix minutes plus tard, ils sont revenus on ont dit Ouais, nous, on s'appelle le PAG. Ils disent, Ah ouais, pourquoi le PAG dit Le PAG, parce qu'on est les premiers alchimiographes gabonais. <laughs> donc, ces jeunes-là, de dix ans, ont compris l'idée, se sont appropriés le mouvement et ils savaient même pas qu'ils ne sont pas, en fait, les premiers alchimiographes gabonais. Ils sont les premiers <laughs> alchimiographes mondiaux parce qu'ils se sont permis de, de s'inclure dans, dans l'idée. Euh, et puis ça ça, 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 ça me fait un peu le même genre d'effet dans le sens où euh, tu me redonnes beaucoup, tu me redonnes sur sur une relation qui n'avait pas besoin de ça pour que la relation soit valable. Donc moi de recevoir ça, c'est un, un extra très agréable, à, concret et physique de notre relation et de notre relation grandissante et de et de de notre amour pour l'art et pour Montréal et pour euh, et pour l'un et l'autre. Merci Monkey. Merci beaucoup. Belle continuation. Quand je dis gratitude, on dit gratitude. 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 <rire> gratitude. <rire> gratitude. <rire> yes. <laughs> Jhara Stafarai, Adonai, Elohim, le Christ et Krishna aussi, le Mehdi, le Bouddha et le Messie. Alhamdulillah, hallelujah, oui, je te remercie. Jaras, Adonai, Elohim, le Christ et Krishna aussi, le Mehdi, le Bouddha et le Messie. Alhamdulillah, hallelujah, oui, je te remercie. I fight the enemies with the good energy of the lion, no bling, I'm sorry, his glory is my medallion, they're dying, yep, one by one, we rebels that fight the devils, where I'm from, and I'm from, ici et là-bas, mardi gras et sabbat, tu connais le deal, ce que tu connais pas, t Parle pas, palabras tras palabras, tu mismo lo sabes, mira mi vida, y busca los mensajes, la paz y el amor, parce que la haine c'est la mort, elle divise, certains l'utilisent, mais à tort, prefiero el sabor del jugo sin azúcar. no me gusta malograr vivo, para ayudar, l'art de construire plutôt que détruire et nuire, Désir séduire, les pères des pères, demonios, porque nosotros somos una fraction de dios, vivimos, dans Babylon system, we all stand tall, pas tu qui se please man, Get up et stand up, enlève ce que pas. Mi tierra es su tierra, la guerre est interna, nuestra fuerza es como una huerta. Necesitamos buenas semillas, c'est una buena tierra, cerca está la victoria, so comporte-toi. En connaissance de cause, change de rôle, prends le contrôle. Expand your soul, man. This land is yours. Es la era para un mundo sin frontera, le démon perdra. Et son no sort ne nous concerne pas, ne récolte pas si on ne Te quiero porque me quiero, el calor de la mort est valor del dinero. Guerrero fiero, yo vivo l'oreille sur le cœur, la terre et le ciel, sur le plafond, planche, le plancher de ma demeure, je pleure leur philosophie de vie et celle du fuego, la nuestra esta en el sueño de nuestro pueblo, l'ego, s'efface et laisse place à l'esprit libre. Je respire et reste, pèdre les êtres qui vibre, vibre, vibre.